Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, de retour, on va essayer. On va essayer de faire des parties alone. Oh bon. C'est pas dit que j'y arrive, c'est pas dit que. Hein, mais bon, on va essayer. On va essayer. Du coup, ça va me permettre. Je vais essayer de faire des missions en farmant, au possible. En faisant du farm intensif, du coup. Je vais pas faire l'high school pour l'instant. Je vais plutôt faire la Tanglewood Street. Ah, taille. Une taille de 1 pour Bibi. Pour qu'il y ait moi qui le fasse, pour que je puisse y arriver. Bien. Comme d'habitude, no stress. Voilà. Bon. Alors, quai. Donc, quai clé déjà. Alors, prenez une photo de l'eau sale dans un évier, ok? Trouver une pièce en dessous de 10 degrés, empêcher de chasser avec un crucifix. Bon, du coup, le crucifix est mort, je peux faire l'évier et le thermomètre. Bon, petit lag. L'évier et le thermomètre. Bon, du coup, une bonne lampe. Un bon thermomètre. Et un appareil photo, c'est parti. On va faire du fric. Allez, c'est parti. Je vais créer des sous. Ah oui, j'ai pas regardé. Oh, le fantôme, regarde, putain. Allez. On y go. Bon, ça, c'est pas la salle de bain. Bon, ah oui, il faut que j'aille le remettre ça. Donc j'ai le thermomètre. Alors il faut que je trouve une pièce à moins de 10 degrés. Donc là il y a une salle de bain. L'eau a l'air propre. Bon, du coup c'est pas là. Jionix, je sais pas comment tu fais pour écrire à chaque fois en faisant des fautes ou je sais pas quoi. Tu fais sur Fantasmophobia. Fantasmophobia, oui, c'est. Je sais même pas dire le nom du jeu, je suis pas mieux au final. Hein? Comme quoi le mec il râle, mais il est pas mieux loti. Donc voilà. Bon, du coup, ça c'est là. Du coup, salle de bain. Please. Ça m'étonnerait que je trouve l'eau sale très vite. Je crois que c'est le fantôme qui est censé le déclencher. Du coup. Bon, pour l'instant, pas de pièce en dessous de 30 degrés. Hein? Donc là, pour l'instant, tout va bien. Je suis là pour faire du fric. Ici, c'est Pépouze. Ici, c'est tranquille. On va aller voir la cave en dernier. Comme ça, après, hop, j'aurais bien fait le tour. Ici, c'est pas froid. Ah oui, évier. Du coup, ça compte ici. Ça m'a l'air propre. Si je vois des trucs un peu spéciaux, il faut que je les prenne en photo. C'est vrai. Bon, tout va bien, tout va bien. Et bah du coup, l'endroit froid, ça doit être dans la cave, hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Rien de spécial. Rien d'étrange. Ah oui, il faut que je prenne une photo en photo un os. C'est dans mes objectifs de journalier. Vous ne demandez pas pourquoi. Bon bah pour l'instant, une pièce à moins de 10 degrés, bah, j'ai fait le tour de la maison, il n'y a rien. Bon, en tout cas, sinon j'espère que ça va. Et bah, hein, je l'ai pas allumé, si, il est bien allumé. Ah, c'est bien, il m'a allumé la lumière, c'est sympa. Non, franchement, c'est sympa. Oh, la clé. Qui sert à quoi? Quoi cette clé? En vrai.
J'ai ouvert toutes les portes. Ah non, il y a un étage. Je suis idiot, il y a un étage. Ah non, il n'y a pas d'étage. La flotte est toujours bien. Oui, moi je laisse l'eau ouverte. Bon. Et bah pour l'instant, une pièce froide, pas vraiment, hein. C'est pas vraiment très très probant. Ouais, non, c'est toujours de l'eau normale. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai entendu du bruit. Ah, c'est la planche Ouija qui a parlé. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Bon, pour l'instant... Ah, bonjour. Merci. Très sympa. Très sympa, j'ai déjà une photo. Parfait. Bon bah apparemment c'est dans la salle de bain. Bon, du coup je vais chercher les bons outils. Le bon outillage, hein. On fait ça au KLM. Je te fais ça no stress. Elle m'a chassé, j'ai fait ça au calme. Genre je me suis pas barré en courant ni rien. Tout péno, tout penaud. Bon, du coup, faut que je trouve des indices. Bon, trouver des indices. Bon, déjà, j'ai fait une photo du fantôme. Ça sert à rien, mais voilà. Peut-être que l'évier sera sale plus tard, j'y retournerai. Alors. Qu'est-ce que je commence? Là, je vais prendre l'IMF. Bon, apparemment, le thermomètre, c'était pas trop ça tout de suite, donc on y va. Alors. On y go, on y go. On y retourne. Donc on sait que c'est la pièce du fond. Excusez-moi. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là? Je me gratte l'oreille. Si je me fais défoncer, c'est de ma faute. Pour l'instant, c'est pas très probant, hein. Oh! Pas génial. Pas génial au niveau des capteurs, pour l'instant. Après, je l'ai vu dans la salle de bain, mais les fraises qui bougent. Est-ce qu'il y a eu de l'activité? Ou est-ce que c'est genre... Pots up, ça sert à rien. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Ah oui, c'est calme. Genre, c'est au KLM. Mais j'ai passé les 5 minutes. Parce que oui. Oui, j'ai passé les 5 minutes, c'est bon. Ça pourrait attaquer. On va retester un petit peu. On va retester un petit peu. Bon, on sait que potentiellement... Oh, un ordinateur. Ouais, Thomas Wilson. Ah oui, merde, faudrait que je sache le nom du fantôme. Le mec qui a pas de cerveau. Oh non, c'est pas gentil d'avoir fait ça. Laisse la porte ouverte. Non mais... Quand même. Quand même, quand même. Ah, il m'a pris en chasse. Ok. Genre comme ça. Genre il en avait rien à foutre, hein. Ok. Bon, du coup, oui, nom du fantôme. Susan Clark, voilà. C'est bien aussi de le savoir. Bah. Du coup, Susan Clark. On y go, on y go. Bah. Pardon, excusez-moi. C'est pas le fantôme, c'était moi. Oh, c'est sympa, la lumière.
Susan Clark, es-tu là? Apparemment, elle a l'air vénère. Hein. Je dirais que c'est bien un démon, parce que vu comment ça a l'air vénère. Ah, bonjour. Susan Clark? Bon, je vais retourner dans la salle de bain, hein, parce qu'apparemment, ça marche bien là-bas. Dans la chambre. Susan Clark, m'entends-tu? Pour l'instant, pas génial. L'eau n'est pas dégueulasse. L'eau n'est pas dégueulasse, bon. Bon, je pense que l'IMF et la Spirit Box, pour l'instant, ça donne rien. Allez. Elle a pas aimé, j'ai ouvert tous les robinets à la maison, elle est là. Oh, écologie! Bon, du coup, on va essayer d'autres outils. Ouais, il y a eu de l'activité, mais c'est mignon, c'est léger. Bon, du coup, on va tester le bouquin et la lampe UV. Allez! Allez! Ah oui, merde, pardon, j'ai pas posé. Voilà. Hop! Bonjour! Bonjour, bonjour. Pour l'instant, pas de traces. Très bien. Oui. Bon, si jamais on m'attaque, je vais essayer de me planquer, hein, on va voir. Ça donne. Pas génial, hein. Bon, le bouquin. Merci. Sympa. Susan Clark, peux-tu écrire dans le livre, s'il te plaît? Ah, elle a coupé le disjoncteur. Bon, d'accord. Ah, le bouquin a bougé. Ou est-ce que c'est juste un glitch graphique? Bon, je vais aller rechercher la température, là, parce que, bon... Peut-être que maintenant... Il y a moyen que je trouve une pièce à moins de 10 degrés. Et non, cette chasse aux fantômes, elle se passe très lentement, hein. Je pensais que ça irait plus vite. Oh là là. Mais dis donc. Ouais, il y a eu un pic d'activité, mais ça se calme. Bon, du coup, j'ai dit thermomètre. Allez, rebelote. Bon, je vais revisiter un peu, hein. Peut-être qu'à un moment je trouve une empreinte ou un truc. Hein. Bon. Toujours pas de flotte. Non, la flotte est normale. Une pièce à moins de 10 degrés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, oh. Attends. Par là. Non. Bon. C'est moi ou ça me fait des blagues, là? Ça me fait des blagues, apparemment. Bon. Ça s'amuse avec les interrupteurs. Ah, une pièce à moins de 10 degrés. Eh ben, c'est bon. Ici? Non? Esprit, es-tu là? Hyperactif, hein, comme fantôme. Hein. Pas rien dans le bouquin. Mais j'arrive à rien trouver. C'est incroyable. Ça marche toujours pas. Tu
Les fantômes, ils pourraient rallumer le disjoncteur des fois, quand même. Pour l'instant, pas de pièce à moins de 10 degrés. Hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai pas vu d'os par terre. Tiens, il m'en faut. Faut que je voie des os. Des os, pas des os. La flotte. Faut faire une photo de flotte dégueulasse. Hein? Bien. Ok, du coup, je récupère le courant. Je fais le tour de la voiture au cas où il y a une zone froide dans la maison. Pour l'instant, c'est pas très probant. Hein. Moins 8, moins 9. Ah, moins 8. Ah. Oh la coquinette. Bon, je pense que malheureusement, ce ne sera pas le froid. Faut que je prenne la lampe UV là, histoire de. Ouais, non, là, pas de zone froide. Hein. Du coup, on va tester la lampe UV. C'est pas la bonne. Hop, c'est bon. La lampe UV ne me donne rien pour l'instant. Ah, une trace de main, parfait. Bon, je vais chercher l'appareil photo et je vais le faire. Tu m'attends 2 minutes, j'arrive. Oh, tu serais pas le fantôme qui aurait besoin de lumière pour m'attaquer. Tu sais lequel? Je vais regarder mes infos. Il y en a un qui a besoin de lumière pour m'attaquer. Bon, je pense que température, là... Bon, j'ai fait l'objectif, mais... Il y aura pas mieux, hein, là. Là, c'est mort. Bon, du coup. Appareil photo. Voilà, objectif fait. Bon, toujours pas d'eau sale dans un évier, mais... Je vais aller prendre l'empreinte de main. Ah non, je peux pas. Je peux pas prendre l'empreinte tout seul. Ah non, je peux pas. Ah, merde. Bon, on voit bien le fantôme, là. Hein, debout. Du coup... Bon, empreinte. Au moins, ma première certitude est que j'ai une empreinte. Voilà. Mon niveau mental est très bon. Tout va bien. Bon. Et du coup, empreinte. Et moi, j'étais sûr... C'est quel fantôme qui aime bien... Ouais, on la voit à moitié, là. Qui aime bien être de jour... Non, bon, pas l'oreille parce que je l'ai pas développé. Du coup, avec empreinte. Alors, je pense pas que c'est le revenant. Lequel j'ai pensé tout à l'heure? Lui là. Non, c'est pas dans l'obscurité. Il y en a où faut qu'il voit. Merde. Pardon. Ouais, non. Ah, c'est peut-être un fantôme parce que j'ai pris sa photo et j'étais tranquille. Les fantômes peuvent posséder des visions le plus souvent invoquées par une planche Ouija. Il induit également une peur chez ceux qui l'entourent. Ah ! Ah oui, mais il n'y a pas... Bah non, c'est pas ça, parce que je vais pas être... Oui, d'ailleurs, faut que je pose une caméra, oui. Bon. De toute façon, l'empreinte, c'est bon. Donc... Ah oui, et du coup, l'appareil photo, c'est de la merde. Bon, je vais reprendre... la Spirit Box, oui. On va reprendre la Spirit Box, on va aller poser la caméra... dans la ciel de bien... Le fantôme est assez calme. Et vu qu'il y a une planche Ouija, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est un fantôme. Ça. Attends, du coup, si c'est un fantôme, IMF, température glacée. Ah ouais, mais non. J'ai pas eu. Bon, bah du coup, c'est peut-être pas ça. Allez, on y va. Tranquille. On check juste si jamais il n'y a pas un lavabo dégueulasse. Ah,
Ouais, c'est pas les écritures. Hein. Au moins que c'est pas ici. Fantôme, je te somme d'apparaître. Suzanne Clark, je te somme d'apparaître. Mmh. Oh, coupe le courant. Tiens, je voulais mettre la caméra. Mettre la cam. Non mais, la lumière. Alors, on l'allume, on la tourne. Je vais la mettre vers la porte d'entrée un peu. Et je l'ai droppé. Comme un con. Voilà. Très bien. Bon, du coup, bon, je vais rechercher l'IMF. Le EMF. J'ai rien d'autre, là. J'espère que je vais pas éteindre la cam. Sinon, j'ai l'air très con. Très, très con. Le gars, on a plus la cam. Bah oui, je l'ai éteint. Je l'ai éteint. Alors, fais voir. Y a-t-il une orbe? Ça n'a pas l'air génial, hein, jusque là. Mmh. Bonsoir ABN. Bon, c'est pas génial, hein. C'est pas génial jusque là. J'ai trouvé un seul indice. Alors peut-être que du coup les fantômes sont vachement plus calmes quand t'es tout seul. Bon, empreinte, ça c'est une certitude, je l'ai fait. L'IMF, bon, je vais le reposer encore, je vais reprendre ça et la température. Hein. Bon, tiens, je prends l'appareil photo, j'aime bien l'appareil photo, ça me fait marrer de jouer avec. Prendre des photos, des trucs un peu space. Ouais, non, non bah, pour l'instant... Pas fameux, hein. Pas fameux, pas vraiment de réaction. Apparemment, ça s'est énervé pendant que j'étais dans le camion. Je sais pas pourquoi. On arrive à voir à peu près sur la photo, au milieu de la photo, le grand truc noir assez long qui est le fantôme d'une petite fille. Qui était dans la salle de bain où je viens de poser la cam. Mouais. Bon. Ah! D'accord, tu souhaites. T'allumes les caméras comme ça, toi? Chaloperie. Bon, le bouquin n'a pas marché. Alors attends, j'ai tout fait là. Il y a un moment. T'es mignon, mais. Voilà quoi. Je sais pas quoi faire, moi. Eh bien, c'est que du coup, elle avait coupé le compteur. Elle a fait. Non, mais je le rallume parce que bon. Non, mais attends. Je sais que c'est chiant, je rallume le compteur. Bon bah, allez, je vais faire l'IMF, hein. Si jamais gars, je fais haut et ça me fait une photo. Okay. Rappelle-toi, roulette en haut. Ah, elle a allumé la télé. Oh, c'est mignon. Ça allume plein d'objets électriques, c'est marrant. Ça allume plein d'objets électriques. Bon. Au final, elle est dans la salle depuis le début. Ah, bah, IMF 5. Parfait. Merci. Bah, du coup, IMF... Voilà. Bon, du coup, c'est peut-être plus le salon. C'est peut-être pas la cuisine. Donc, c'est peut-être pas la salle de bain. Donc, du coup, on va modifier ça. Alors, paf, IMF. IMF, papapa, niveau 5. Il me reste donc Banshee revenant. Je vais voir. Revenant est un fantôme lent mais violent qui attaquera sans discernement. Il a été dit qu'il se déplaçait une pièce lors de la chasse. Beaucoup plus vite lorsqu'il chasse, voilà. Du coup, il manquerait l'écriture fantomatique. Bon. Et pour le... La Banshee... C'est un tyran, il est connu pour traquer une personne à la fois jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Bon, de toute façon, on l'a fui tout seul, donc ça va pas... Ça va pas être très compliqué, hein. Et du coup, c'est température glaciale. Bon, du coup... Bon, je parie plus sur l'écriture fantomatique, perso. Je parie plus sur l'écriture fantomatique. Du coup, dans la salle. Dans le salon. Donc je garde mon appareil photo. Et je crois que c'est pas la Banshee ou... Moins agressif quand même. Ok.
Très bien, très bien. Mais à tout allumer. Bon. Je vais prendre le bouquin. De toute façon, il n'y a pas d'orbe. Donc, déjà, je gagne nos changes sur ça. Il n'y a pas d'orbe. Alors, bonjour. Je pose ce bouquin ici. Merci. Veuillez écrire Suzanne Clark dans le livre, s'il vous plaît. Bon, je vais aller chercher l'appareil photo et le poser. Genre devant la télé. Ou un truc comme ça. Toujours pas d'eau dégueulasse, hein, ça me déprime parce que il me faut de l'eau dégueulasse pour une photo. Il me faut de l'eau sale. Et l'eau sale, il n'y en a pas. Pour l'instant, rien de fascinant. Ah, ça ferme les portes derrière moi, merci. Du coup, au calme. Hop, on attend là. Bel angle. Je suis content. On reprend l'appareil photo. On allume la lampe. Bonjour, Suzanne Clark, êtes-vous là? Ça joue avec les portes, hein. Du coup, c'était les températures. Bon. Je vais chercher le thermomètre. Ah non, je voulais aller dans la cuisine voir s'il n'y avait pas de l'eau sale. C'est vrai. Toujours de l'eau propre, parfait. Very bueno, very bueno. Hein. Jusque là, bah, c'est pas le bouquin. Hein. Photo, photo. Bon, bon c'est pas que je m'emmerde, hein, mais là. Le fantôme est très calme, hein. Tu fais des trucs dans la salle. Ah, viens d'éteindre la lumière. Ah. Mais non, il a éteint la caméra, le salaud. Oh, bon, attends, du coup, je reviens. Bon, du coup, c'était température, ma dernière solution. Alors, du coup, oh, bah, ok. Si je fais haut, je retombe sur la photo. Allez. Ah là 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 là. Ah, moi, je m'excite pas trop, hein. On y va au calme, alors. Pour l'instant, on a 9 degrés, c'est pas mal. Au sol. Au propre. Monsieur propre. Hein. Toujours pas d'écriture. Toujours pas d'écriture. Excusez-moi, je cherche une température glaciale. Ah, merci d'avoir éteint. Gentil. Photo ? Hmm. Oh, mais dans la cave depuis le début, en fait, je suis un idiot. Oui. Non. La température est pas très basse. Ah, moins 6, c'est pas mal, j'aime. Allez hop, rallume en passant. Ça me coûte vraiment une clé. Je sais pas à quoi ça sert de trouver des clés. Là, honnêtement, permet d'ouvrir les trucs ou... J'ai aucune idée. Permet de trouver des choses ou... Hmm? Aucune idée. Oui. Ça ferme des portes, ça les ouvre, ça fait des trucs. Hein.
Bon, je vais estimer température glaciale, hein, et voilà, quoi, parce que c'est pas le bouquin, hein. C'est pas le bouquin. J'ai eu l'IMF à temps. Ouais, là, non, t'es mignon le fantôme, mais je vais pas passer 3 heures sur une seule, un seul lieu. Toujours de l'opéra après, parfait. Bon, du coup, j'aurais rien fait. Bon. Bon, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Bon, bah du coup, allez, basta, hein, je vais m'en aller. Parce que tu m'emmerdes, hein, gentiment, mais tu m'emmerdes. Je vais estimer température glaciale, parce que c'est ce qui avait l'air d'être le plus proche, parce que j'ai pas eu de... d'écriture. Ah, attends, non. Fais ça bien. T'as pas réactivé ta caméra. Non, ok, non. J'ai pas réactivé la caméra. Il faut que je le fasse. Au moins, pour être sûr. Ah si, c'est fait. Suzanne Clark, pouvez-vous faire une chambre froide, s'il vous plaît? Bon, non. Allez, j'abandonne. Je vais estimer que c'est une température froide, hein, parce que ça varie de temps en temps, mais... Bah, non, hein. T'es mignon, mais quand même. Allez, écriture fantomatique, non, température glaciale. Allez, du coup, ça me fait une bonne chique. Allez, basta, j'ai fait qu'un objectif, c'est ridicule. Et c'est comme ça. C'est une demi-heure à faire ça. C'est super long. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc, welcome back. C'était une banshee. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Deux preuves avec une belle photo. 20 dollars de photo. Ça, c'est beau. Hop, d'assurance. Parce que, voilà. Et voilà. Très bien. Parfait. Perfecto. Bon. Du coup, j'ai absolument pas survécu à une phase de chasse. J'ai absolument pas trouvé un œuf et j'ai pas joué une carte moyenne. Bien. Je reviens. Je vais juste aux toilettes 2 secondes. Par contre, on m'entend pas dans le chat ou quoi? Je vous ai parlé, j'ai parlé, j'ai l'impression qu'on m'a pas entendu. Après, c'est juste une impression, ça se trouve, mais c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que... Genre, j'ai dit bonjour aux gens, on a pas l'impression d'avoir plus de réponses. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde que je connais. Enfin, qui me regarde. Et du coup, je ne suis pas sûr. Et c'est chiant. C'est chiant. Envoyez-moi un signe si vous m'entendez. Par exemple, par Discord. Si vous pouvez. Si vous le pouvez. Bon, du coup, ça c'est fait. Bah voilà. On va sélectionner un nouveau pot. Alors, pas la high school. Ledgeville Street House, vas-y, je prends ça.
Ici, t'es amateur, il en faut deux, oui. Laissez un, rassembler vos preuves, les informations, attirer commandé, thermomètre. Bon, bah, du coup, je vais le remettre. Je vais le remettre, c'est parti. J'ai vraiment l'impression qu'on m'entend pas. C'est bizarre. Quand même. Pa 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 pa. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. We've had no reports of violence, but keep an eye out. Salut Clem. Ah, du coup tu vas pouvoir me répondre si on m'entend. Allô? Oui? Allô? Allô? Ah! Ah oui, on m'entend. Bien, merci. Je chasse les specs m'étant tout seul. Non, donc on m'a répondu, c'est gentil. Merci, merci. Bon, du coup, je sais pas où je suis. Alors, nos problèmes, ouais. Non, mais ce que je me demandais, parce qu'il y a du gens qui passaient, je leur ai répondu, parlé, et j'ai pas eu de réponse. Alors, je passe à lecteur EMF. Prendre de l'eau sale encore. Avoir un membre qui assiste en même temps. Oh, super. Bah, le membre, c'est moi. Donc, ça va être vite. Et du coup, c'est Susan Smith. Ok. Bon. Alors, on va commencer par prendre une lampe. Prendre l'EMF, du coup. Et prendre un appareil photo, voilà. Je suis dégoûté, hier rien n'a marché. J'avoue, c'est chiant. J'arrive pas à faire marcher le jeu. Et pourtant, moi, je t'avoue que, genre, j'ai rien eu à faire. Je suis arrivé sur le jeu, j'ai fait le test, il a fait OK. Après, ça se trouve, faudrait qu'on regarde tous les. Faudrait que je regarde avec toi. Pourquoi ma lampe? Ah oui, ma lampe. Elle... Ah merde, j'ai pas la clé. Si? Non. Ce con qui n'a pas la clé. Je me suis fait mal au doigt. Quel connard je suis. C'est très drôle parce que le décompte il marche jamais ou quoi? C'est genre... A voir s'il n'y a pas un correctif qui va pop. Ouais mais bon après ce qui est chiant c'est que... Je me dis faut pas trop espérer ça parce que... Je pense que s'il devait y avoir un correctif sur le micro, il serait arrivé depuis longtemps. Genre c'est un des premiers trucs qui doit faire chier tout le monde. Je me dis... Tu sais c'est le truc... C'est un des trucs les plus importants et je me dis si ça fait chier ils auraient dû... Ils auraient dû le faire. Susan Smith! Susan Smith! Bon, il faut que je trouve de l'eau sale. Alors, où est-ce qu'il y a des robinets? Avec ton timer, soit ça, soit ça. Bon, pour l'instant, c'est propre. Susan Smith. Je vais tellement la vénère avant même qu'elle arrive. Susan Smith. Ça c'est pour les dehors. J'en fous. Ça c'est la cave. Ouais. T'as des lieux plus grands? Oui, mais bon, pour jouer tout seul, c'est un peu limite. Quand même. J'évite de le faire, quoi. Je vais éviter. Oui, est-ce que j'ai passé le niveau 3 du coup? Enfin, non, on avait passé le niveau 3 tous les deux. Susan Smith? On avait passé des lieux, donc... J'ai pas compris, genre, sur le niveau de tout à l'heure, j'ai eu 3 clés. Genre, ça m'a servi à rien. Je vais aller dans la cave tout de suite, tant que je suis pas loin. J'ai vu le fantôme, j'ai réussi à le prendre en photo. Tranquille. Seul. Susan Smith. Ah. T'es par là? Ça sert à rien, mais ça me fait marrer de les ouvrir. Si, pour se planquer. Au cas où. Fuite! Courage, fuyons! Bon. Bonjour, bonjour. On voit pas grand chose. Si. J'avoue, quand tu te dis si le fantôme est là, c'est de la merde. Hein. Susan Smith? Bon. Rien pour l'instant. Ça craque, c'est tout. Honnêtement, je fais tellement pas.
T'es fait choper par un fantôme depuis la dernière? Pas du tout. Pas du tout. Là, je te dis, tout à l'heure, j'ai commencé. Genre, quasiment dans les deux premières minutes, j'ai vu le fantôme, il a popé devant moi. Ah, bonjour. Oh, c'est gentil. Ah? Où ça? Où ça? Où ça? Ouais? 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 Où ça? L'eau est dégueulasse? Les gars, faut que je sors l'appareil photo, hein. Ah merde, j'avais pas vu, pardon. Susan Smith. Ça va faire comme la dernière fois, ça va peupler. Oh le beau! Oh le beau! Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. L'eau peut venir sale maintenant, oui. Je ne sais pas comment ça se déclenche. Sympa. Du coup, j'ai 5. J'ai eu le MF à 5. Donc déjà, ça fait un indice en moins. Donc je peux virer la télécommande. Ok, virons déjà la télécommande. Pour l'instant, j'ai pas trop de lieux. Je dirais la cuisine, mais... Parce que c'est là que j'ai capté. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que pas? J'en sais rien. Hop. Tiens, on va prendre la Spirit Box. Non, je vais être intelligent, je vais genre poser le bouquin, parce que c'est bien, ça va vite, c'est pas... Hop, je peux revenir rapidement. Oh merde, j'ai jeté le mauvais truc. Appareil photo, s'il te plaît. Merci. Alors, le bouquin, appareil photo, bouquin, bouquin, appareil photo. Par contre, horrible les items en soi. Ah bah oui, mais c'est ça. Bah, ça allume toutes les lumières, ça se sent bien. Bon, pour l'instant, je vais prédire la cuisine. J'ai aucune idée de pourquoi, de pour qui, mais je vais prédire la cuisine. Allez. C'est là-bas que j'ai eu l'IMF à 5. Allez. Je pose ça par terre ici. Non, tu attends. Susan Smith? Susan Smith, peux-tu écrire dans mon livre? Merci. Oui, je suis cordial avec eux. Hein. C'est... Il faut être gentil, il faut être sympathique. Je sais pas si la vaisselle a pas un peu volé, je suis pas certain. Bon, je vais aller à l'étage quand même, parce que, bon... La politesse avant tout, oui, c'est ça. Susan Smith, une photo, s'il vous plaît? Je travaille pour le journal. Pouvez-vous nous faire une interview? Ah, il y a un tableau qui est tombé. Putain, mais ça refait comme la dernière fois, genre il y a tout qui va le dingue. C'est encore un, je sais plus quoi là qui nous mettait dans le mal. Ah. Peut-être ici au final, hein. C'est vrai que j'étais dans la cuisine, c'est pas si loin le salon pour l'IMF. Susan Smith, une photo? Bon, pour l'instant... Si, c'est les poltergeists, je savais plus. Bon, c'est calme plat, hein. Genre, il y a une micro-activité le temps que je suis parti. Du coup, tentons la Spirit Box, allez. Allez, là, le temps a dû être passé. Oui, ça fait au-delà de 5 minutes, allez. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. John Smith, pouvez-vous me parler? Ah, bien. Bon, du coup, c'est plus le salon. Ok. Ok, c'est plus le salon. Donc, du coup, confirmation. Alors. Oui, du coup, j'ai pas mis. J'ai EMF. Préconise pour objet pour le porteur gaz. Attends. Je mets déjà. Du coup, j'ai EMF. Et Spirit Box. Déjà. Ce qui me laisse. Jean ou Oni? Ah, c'est pas trop ça, alors. Oni, je l'ai pas trop eu. Sauf que les éléments possèdent une force phénoménale, des rumeurs sur lesquelles ils deviennent actifs autour de leur proie. Parce que la proie, c'est la possibilité où on veut des objets à grande utilisation. Être plus actif rendra l'Oni plus facile à trouver et à identifier, d'accord. Et il manquerait l'écriture fantomatique. On n'a jamais eu les deux, tout à fait, je suis d'accord. Et du coup, c'était... J'ai oublié quoi. C'était quoi? Merde. Pardon.
J'ai oublié. Jean, voilà. Pardon. Un Jean. Tom territorial parce qu'il attaque une menace. Il est également prévu pour avoir une vitesse. Voyagera plus rapide si sa victime est loin. Couper le courant empêchera le Jean d'utiliser sa capacité. D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il allume toutes les lumières. Ah, du coup, moi qui n'ai pas peur la nuit, je vais aller poser une cam dans la salle, parce qu'apparemment je dirais que c'est dans la salle. Je vais poser une cam dans la salle et éteindre la lumière. Ça va le mettre dans le mal. Et c'est pour ça qu'il allume tout, parce que il se met dans le bien, quoi. Oh bah oh, il y a des objets par terre. Alors, du coup, caméra. On va essayer de faire ça bien. Tiens, je vais la poser devant la télé, ce sera pas mal. Petit coup, on l'active, on la pose, on est bien. Tiens, je viens d'entendre un bruit, mais ça, c'était dans chez moi. Hop là. Susan Smith. Êtes-vous un djinn ? Là, je vais carrément aller couper le courant, genre. Je sais plus où c'était, je crois que c'était à la cave. Il dirait ça. Je ne sais plus. Non, c'était dans le garage. Allez ! On va couper le courant nous-mêmes. Genre, bonjour ! Pouf ! Au revoir ! Ah, je mets. Si c'est un djinn, je le mets dans le mal, hein. Susan Smith ! Susan Smith, va faire tout noir. Oh, ça s'énerve. Ah, pas content, hein. Pas content. Susan Smith, va faire tout noir. Ah, moi je suis reporter maintenant. Bon bah. Si tu veux pas jouer. Du coup, j'avais dit si c'était une orbe, c'était ça. Attends. Je l'ai saigné. Ah merde. Et con. Reprends ça, éteins ça. Ah merci. J'ai pris une belle photo. Alors, bonjour. Donc on avait dit Jean, si c'est Jean, c'est une orbe. Et si c'était l'autre, c'était quoi, pardon, Loni, c'était... Écriture. Ah oui, merde, j'ai oublié d'aller poser le bouquin. Ah bah tiens. Oh, bonjour. Oh bah, c'est un Jean, hein, voilà. This is a Jean. Voilà, easy. Ça c'est fait. Un Jean avec... merde, j'ai oublié, c'était orbe. Voilà, bonjour. Donc ça, c'est fait. Voilà. Bon. Ah, j'ai assisté à un événement paranormal. C'est le père de Gon. Bon, du coup, bah... Et du coup, j'ai coupé le courant, donc je lui ai coupé sa capacité. Paf ! Ah, le machin, je l'ai mis dans le mal. Bon, maintenant, j'aimerais bien faire une photo d'eau sale. Si c'est possible. Alors... Bon, j'ai pas tout fouillé. Bon, je sais qu'il était par là, du coup, donc... Et là, comme il n'y a pas de courant, et que je m'en suis éloigné, sa capacité à me poursuivre le cul super vite n'est pas là. Va à la douche, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Bon. Merci. Très gentil. Très sympathique. Alors, je ne connais pas trop toutes ces pièces. C'est pas ça... C'est pas ça. Bonjour. Ah. Alors normalement ça ouvre l'eau tout seul et ça le fait. Hein, genre j'ai pas besoin de le faire mais bon. Après je me dis est-ce qu'ils peuvent se TP en haut comme des salauds. Bon là c'est pas... Hop, j'ouvre quand même au cas où. Pour ma sûreté. Hein, on n'est jamais sûr de rien. Ça, c'est pas une salle de bain. Pas une salle de bain. Combien de chambres ? Hop. Au cas où. Très bien.
L'eau sale, je crois que ça se déclenche un peu à la pisse. Hein. C'est genre, faut qu'il y ait un événement, il y aura de l'eau sale. Bon, là, je l'ai pas, hein. Donc je vais rentrer. Ce sera très bien. J'aurais bien aimé faire une photo après. Est-ce que ça, ça compte? Genre les tableaux tombés? Je sais pas. Susan Smith, apparaissez. C'est un type de spec pour la flotte, ouais. Susan Smith, show yourself. Bon, bah... Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, je pense, hein. Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, bon. Voilà, voilà, hein. J'ai fait ce que je pouvais, hein. Honnêtement, est-ce que si je prends en photo l'orbe, ça compte? Comme un indice? Comme un truc? J'attends de voir s'il y a une orbe qui repop et du coup, la prendre en photo. Parce que autant utiliser mes photos pour essayer de faire du fric. Ah! Putain, raté. Vas-y, la machine lumineuse, recommence! Non, mais là, attends, une seconde. Allez, hop. La Suzanne. La Suzanne, hein, t'es mignonne, hein, mais bon, c'est pas que, hein. C'est pas que, mais quand même, hein. Ouais. Et c'était un jean. Parfait, je suis le meilleur. De 40$. Ah, ah. Parce que j'ai fait des objectifs, mais j'ai pas pris de photos. Et tout à l'heure, j'ai pris une photo du fantôme et ça m'a coûté 20$. Une seule photo, hein, genre paf, 20$. Tac. Du coup, je me fais masse de fric en attendant. Bon, apparemment, l'assurance, c'est quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'était victoire d'affilée. Je pense que c'est plus t'y arrives, plus t'as d'assurance. Bon, apparemment, tu veux que je fasse un truc grand. Alors, les pilules calmantes. Alors là, ça va être. T'as eu 10 balles, ouais, je sais. Fermé en raison du décès non naturel de cette école isolée, abandonnée depuis des décennies, le propriétaire a appelé matin parce qu'il a dit c'est dangereux. Regardez attentivement autour de vous de rassembler autant de profs que possible pour l'équipe. Alors là, ça va être ultra compliqué, je pense, tout seul. Je vais essayer, hein. Merde, j'ai pas mis le thermomètre. Bon, c'est pas grave. Sinon, je quitte et je reviens. Et voilà. Je mets n'importe quoi, je quitte et je reviens. Je suis sûr, en vrai, et tu peux te faire facilement du fric, hein. Tu mets n'importe quoi. Je suis sûr, il y a moyen, genre tu mets hop, n'importe quel fantôme, et tu t'en vas. C'est tout. Et là, oh, t'as 10 balles. Comment faire 10 balles? Bon, après, c'est à la piste quand même, hein, c'est genre, faut y arriver. Hey, bah, t'es long, dis donc. Ah, il l'a jamais chargé à l'école, c'est peut-être pour ça. Ou c'est plus lourd à charger. Bon, ça doit être plus lourd en vrai. C'est vrai que là tout seul, du coup, je vais vachement plus vite à charger certains trucs parce que. Y'a qu'une fois à charger. Voir n'est pas toujours la meilleure option. Moi, je cours très rarement. Ça a été hier, border. Oui, bah on a avancé. Là, on a vaincu Troy. On a eu le fameux machin qui traduit l'Iridien et en gros, on est en train de clean les maps. On est en train de faire les maps à 100% au possible. Donc là, on était en train de faire Pandore, mais mon pote était fatigué, du coup. Bon, s'il y a besoin du thermomètre, je me barre et je reviens. To be continued in 4. Et moi j'étais là, tu vois, il y a marqué 2, 1, 0. Du coup, j'avais gagné. Alors, du coup, j'ai pas besoin. Bon, du coup, on va le faire avec. On va le faire sans. Avoir un membre qui a vu un truc, savoir quel type de fantôme. Carole Moore. C'est là où je me dis, quand t'es tout seul, il devrait te donner un indice de sa location. Genre, il est au rez-de-chaussée. Parce que là. Comment dire?
Je sais pas comment on varie. Normalement, il y a un bouton pour faire varier la map. Je sais pas comment on fait. Oh, t'es censé avoir une touche pour. Moi, je me suis fait avoir jusqu'au décompte. Ah non, moi j'étais là. Oh, tu vas voir, ça va être 4, 3 heures. Je me doutais que c'était pas fini. Je me dis, attends, t'as sa soeur à buter. Alors, il y a des caméras partout. Donc, en soi, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Mais, je suis sûr, on peut checker la map. Faut que. J'ai fait toutes mes touches. Bon, c'est pas grave. Du coup, la clé. Il me faut l'IMF parce que apparemment il y en aura besoin. Donc, allez, IMF. Et bah, appareil photo. Allez, on commence déjà par la base. On commence par la base. Et si je fais O, j'ai mon truc. Bon, du coup, direction l'école creepy. Direction l'école de la peur. The James Brown Stone High School. Donc c'est Carol Moore. Carol Moore. Alors tu vois, l'école est énorme. Alors va falloir que je procède de manière empirique. Ah les bâtards, ils vont nous faire sortir la carte pour avoir la suite. Non, non, t'inquiète pas. Pardon. On va procéder de manière empirique. Hein, Attends. De quel sens la porte? Merci. Merci. Alors là, la salle de sport. Carol Moore, êtes-vous là? Ah, il y a un téléphone qui sonne. Je sais pas si les téléphones sont un vrai signe de quelque chose ou si c'est de la mouise. Bon, pour l'instant, là, ça me donne rien. J'y retournerai de temps en temps. J'y retournerai de temps en temps. Carol Moore, êtes-vous là? Ah oui, il faut que je photographie un os. Si je trouve un os, genre par terre ou autre. Bon, pour l'instant, c'est pas génial. Ça, c'est quoi? C'est une salle de classe ou la salle de sport encore? Non. Et les vestiaires. Bon. Carol Moore, êtes-vous là? Oh, très très, hein. Oh, très très. C'est ça qui est chiant en fait, c'est que là du coup, je suis ultra focus à chercher tout ce que je peux. C'est-à-dire, je cherche vraiment, là s'il y a un os, faut que je le prenne en photo, enfin bon. Du coup, je perds vachement de temps. Oui, il y a un téléphone qui sonne, mais j'en ai rien à foutre. Carol Moore, êtes-vous là? Ça c'est quoi? Non, c'est des règles et des trucs. Bon. Ça va être tellement long, tout seul. De trouver la zone, de trouver le truc, et de revenir à chaque fois. Ah, oh, ça va être la mort. Oups. Avec moi, c'était plutôt ça, la chasse. Bon, là, il y a le déjoncteur, mais ça, on s'en fout. Bonjour. Oh, c'est tout renversé, tout partout. Tout juste côté le camion, oui. Carol Moore, êtes-vous là? Bon, moi je me dis toujours, quand il dit l'IMF, quand il dit la température, c'est quand même qu'il y a un minima de chance que c'est faux. Et finalement, t'as bien dormi. Bah, tu vois, t'étais crevé en fait, ça t'a fatigué tellement, je pense. Bon, moi c'est ce qui m'arrive. Bien, bien, bien. Du coup, je me dis, est-ce que ça me sert que je pose la cam? Est-ce que je vais pas réussir à avoir un truc. Bon, ça c'est dehors, donc on s'en fout. Et donc, on s'en fout. Carol Moore, êtes-vous ici? Mais du coup, là, je vais devoir dire son nom, mais vachement. Du coup, si elle m'attaque... Là, je me dis, ouais, si elle m'attaque, c'est parce que je l'ai dit trop. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas génial. Je peux passer sur les meubles? Non. Bien, 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 on continue. On n'y voit clairement rien de loin. C'est là où il me faudrait une lampe puissante. Mais la lampe... En fait... Là, tant que je suis tout seul, je dépense pas trop de fric, j'ai juste dépensé pour le thermomètre, parce que c'est utile. Carol Moore, êtes-vous dans cette pièce? Bon, pour l'instant, c'est pas très très fameux. Bon, après, moi aussi, j'ai bien dormi, je me suis bien amusé. Même si ça a été long d'y arriver, mais... Hein. Oh, j'espère que vous avez eu une heure, hein, parce que là, j'en ai pour un moment. Carol Moore, êtes-vous ici? J'essaye de trouver des traces de trucs, mais... Voili voilou, hein?
On n'est pas pressé, alors ça c'est quoi encore le vestiaire ou non? C'est des chiottes. Carol Moore, faites-vous pipi? Au parti, tous les copains du stream. Bah, j'en sais rien, hein, je sais pas. Il y a Gionix qui est venu, il m'a dit deux messages et après je l'ai plus entendu parler de lui. Il y a ABN qui était venu aussi, mais il m'a pas répondu. C'est pour ça que je me disais, mais. Est-ce que y a un problème sur mon audio ou quoi? Mais non. Mais non, mais non. Tout. Carol Moore, faites-vous pipi. Vous les clés. Ouais, non. Ah bah après, je vais pas dire que... Je peux pas en vouloir non plus aux gens, hein. Je les ai tentés, hein. C'est genre, je les ai appâtés, hein. Et après, bah... Est-ce que c'est étonnant que si ça arrive? Bah non, pas du tout. Franchement. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens, je les revois plus jamais, hein. Mais bon. Tu vois, hier, quand je faisais mon espèce de live... Ah oui, Carol Moore, êtes-vous là? Mon espèce de live où je montais mon animation en même temps que voilà, je me mettais de la musique en fond. C'était vraiment juste pour parce que je me suis dit, tiens, si jamais il y a des gens qui veulent me donner leur avis ou me donner des idées, ou ainsi de suite. Mais du coup, bon, voilà. Carol Moore, êtes-vous ici? Alors, soi-disant, dans le jeu, le fantôme est censé t'entendre tout le temps. En gros, il entend tout le temps ton micro. Alors moi je me dis, il y a moyen que tu puisses programmer sur ton ordi de couper le son de ton jeu, tu sais, genre couper l'accès au micro de ton jeu, tu fais plouf, hop là, il m'entend plus, il t'entend que quand tu appuies sur la touche que tu parles. On continue, ouais. Et elle te voit tout le temps, c'est genre, Carol Moore? Bon, je suis censé capter à un moment un truc à l'IMF, sinon on me donnerait pas la mission. Moi, je pars de ce principe de... Si on donne une mission, par exemple, de température, de machin, t'es censé avoir quelque chose qui se passe dessus à un moment. Peut-être pas l'avoir à fond. El Wolak, ouais, c'est ça. La Wolak. Carol Moore, montrez-vous. Voilà, en plus, ça doit bien faire 5 minutes que je suis en train de tourner. Je cherche l'os, hein. Je cherche un os à photographier. Parce que, bon... Bref... Bref, bon, ça c'est une sortie, c'est la porte bleue. Ça fait 10, oui, c'est ça. Alors. C'est quoi ici, Carol Moore? Qu'est-ce que tu fais ici? La salle de techno? Oh, bon, alors là, s'il y avait besoin de prendre de l'eau sale, je te raconte pas. Hein. Après, s'il y a de l'eau sale, je peux toujours la prendre en photo. Ça a commencé vers 22h20. Ouais. Bon, du coup, je vais aller dans l'autre salle. Carol Moore, êtes-vous ici? J'avais pas vu qu'il y avait des portes. Bon après, ça me sert à rien de prendre ces portes là, autant que je continue à faire mon bail comme je l'ai fait depuis le début. Donc là, je vais juste aller faire un petit tour dans la salle, dans les vestiaires. Bon. Du coup ça c'est la salle de sport. Du coup là j'ai fait le tour. Juste aller au bord pour voir jusqu'où ça va. Y a pas un truc qui traîne. Ouais non du coup. Voilà. Du coup moi alors mon animation je l'ai faite, honnêtement elle est très simpliste hein. Mais je me suis par contre très fait chier à faire le rebond. Ah oui. Qui? Ok. C'est vachement plus sombre ici. Bah quand les pièces sont grandes hein, t'y vois rien. Ok. C'était ici? Ça a claqué? Carol Moore, êtes-vous ici? Ah, il y a une salle là. Ah, il y en a peut-être aussi une de l'autre côté. Ah, je suis débile. Je cherche un os. Carol Moore, êtes-vous dans le placard des sciences? Bon, du coup, il y a une pièce que j'ai pas fouillée, mais bon, je vais dire que c'est pas grave. Du coup, je suis obligé de sortir par là. Enfin non, je suis pas obligé, mais je sortirai par la porte. Carol Moore, êtes-vous en salle 15 000?
déjà au bout? Ah oui, je suis déjà au bout, bah oui, il y a la salle de sport. Mais du coup, j'ai pas raté une porte. Genre là, par là. Non. Et j'en ai raté une. C'est ce qui me semblait. C'est quoi ici? Ah, bonjour, êtes-vous au self? Carole Moore, êtes-vous au self? Vous avez faim? Bon, je comprendrais que vous soyez morte ici, vu comment la bouffe des selfs, c'est dégueulasse. En général, hein. Soyons honnêtes. Carole, t'as oublié ton carnet de liaison au CPE. Carole Moore est demandée à la salle, à l'accueil du lycée, pour récupérer son cahier de liaison. Ah, elle fait sonner le téléphone, c'est bien. Bon, je sais pas si c'est là, je sais pas si c'est à l'étage, c'est sûrement à l'étage, je pense. J'ai l'impression qu'ici, en général, c'est plutôt à l'étage qu'ils sont. Ah là là. Bien, bien, bien. Ça va être long. Déjà, là, tout à l'heure, j'ai passé une demi-heure à faire un niveau. Hein. Genre, je suis allé dessus et j'ai abandonné, hein, parce que j'ai fait, oh, alors, c'est bon, un balèque. Hein. J'ai pas envie de perdre mon temps pendant 3 heures. Carole Moore? Carole Moore, faites-nous un signe! Du coup, je me dis, si elle t'entend tout le temps, par exemple, si tu dis ça et qu'après, il y a téléphone qui sonne, comme tout à l'heure, en fait, elle fait vraiment un signe. Elle t'entend vraiment, de loin. Elle t'entend. Et du coup, elle réagit. Bien, bien, bien. Bon. Oui, hein. La petite Carole Moore est demandée. Oh, y a rien ici. Rien d'intéressant. Je regarde les chaises et les tables, hein. Je regarde pas trop le sol, tout ça. Parce que... Bon, ça, c'est encore un accès au self. Ah non, c'est une salle de classe, dis donc. Dis donc. Après, le son du tel te donne peut-être une indication. C'est peut-être ça, hein, je me dis aussi, non? Ah! Oh! C'est moi, on a vu un truc vert. Ah! C'est là, ça doit être là-dedans. C'est une salle froide. Une salle froide? Ce reflet là de batteur. Carole, ouvre la porte! Ouais, je sais pas s'il y a eu de la buée de. Il fait froid. Ah! C'est bon, je peux l'ouvrir. J'ai l'impression qu'elle était bloquée. Carole, te planques-tu dans cette pièce? Je suspecte peut-être cette pièce un petit peu. Parce que... Désolé, je me gratte. Je suspecte un petit peu cette pièce. Parce que c'était bizarre, là. J'ai essayé vraiment de l'ouvrir. J'ai vraiment l'impression d'avoir essayé. Ça a rien fait. Rien d'autre comme outil. Pardon. Bon, je dirais suspect numéro 1, cette pièce là. Et un peu avec une fenêtre ouverte. Oh là là, ça va être trop long. Je comprends, oui, qu'il faut être plusieurs. Carole, es-tu dans cette pièce? Après, je pense qu'aussi le jeu est beaucoup plus gentil vu que je suis tout seul. Par rapport à quand t'es à plusieurs, le fantôme il doit être ultra réactif. Ou alors le fait que du coup il entend plein de voix, ça l'énerve vachement plus vite que tout seul. Carole Moore, fais-tu un petit pipi? Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Intéressant. Pas de robinet. Oh là là. Je vais avoir fait que le premier. Je vais avoir fait que le rez-de-chaussée là, dites-vous. C'est ultra long. Carole Moore, es-tu en train de faire un pipi dans les toilettes des garçons? Je sais pas si c'est les toilettes des garçons ou des filles, je sais pas trop. Je pense que c'est les toilettes des filles tout là, et de l'autre côté c'était les toilettes des mecs parce qu'il y avait des pissotières. Il y avait des urinoirs. Il y avait des urinoirs. Bon bah on n'est pas pressé hein. Alors il y a intérêt que je trouve le lieu assez vite hein, parce que là, si je dois faire tout l'établissement avec tous les outils, je pense qu'on n'est pas donné.
Carole Moore, veuillez vous rendre chez la CPE. Bon, pour l'instant, hein, on... Et pour l'instant, on se regarde en chien de faïence, hein. Alors voilà. Tiens, il y a de la lumière ici. Ça existe. Oh, dis donc. Ça existe. C'est vrai que ce fantôme ne joue pas avec la lumière, ou alors... Du coup, elle n'est pas du tout par ici. Carole Moore, veuillez vous présenter devant toute la classe. Oui, j'appuie quand même sur le bouton. Ah, apparemment, c'est pas si loin. Donc, soit c'est à l'étage, soit c'est pas très loin. Un téléphone de... Hey, tu m'arrêtes de marceler. Mais madame, je ne fais que mon travail. S'il vous plaît. Ah, c'est beau quand on y voit. Ça fait du bien. Alors... Carole, avez-vous fait sonner le téléphone ici? Téléphone qui est décroché, donc logiquement, devrait pas sonner du tout. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Si c'est ça, c'est au-dessus, parce que là, je pense que je suis dans la pièce juste en dessous. Je dirais. À vue de pif. Faut espérer que le MF capte à 100% ici, sinon tu fais un tour complet dans... Ah ouais, non, mais c'est clairement ça, hein. C'est genre... What? Fantôme qu'on a marre, qui me sonne le téléphone. Allez, viens, viens! Carole Moore, s'il vous plaît. Bon, je vais y aller, parce que... Hein? On va... Parce que sinon, je vais passer 3 heures, hein. Donc, on va prendre ses couilles. On va prendre sa... On va tenter sa chance, hein, parce que là, j'en ai marre. Il y a un moment aussi. Faut le faire, hein. Bon, je dirais du coup à l'étage et plutôt au fond là-bas, là où j'ai. Au-dessus de la pièce où j'étais en dessous. Ah, je pense que je me rapproche. J'ai cru entendre du bruit. Ah, oui. Ah, mais Carole! C'est très gentil. Oh, magnifique. Merci, Carole Moore. Merci, Carole Moore, de vous montrer, s'il vous plaît. Ah, photo! Photo! Photo encore? Photo toujours? Toujours. On continue, hein, on continue. Je vous prends sous plusieurs angles. Très gentil, je sais que vous êtes là. Parfait. Bon, je vais chercher mes outils. Vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, parfait. Parfait, parfait. Je garde l'EMF au cas où je la sens arriver. Bon, du coup, l'EMF, je pense que c'était pas ça, parce que sinon je l'aurais eu vachement plus vite, je pense, le niveau 5. Tiens, du coup, j'ai ma curiosité de... Est-ce que je peux sortir par là-bas? What the fuck, Atterer? Si tu la regardes, elle bouge pas. J'en sais rien. Je l'ai pris en photo. C'est peut-être aussi ça bug en faisant des photos. Genre, ils ont du mal à réagir. Alors. Du coup, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Bon, du coup, j'ai pas besoin de me faire chier. Bon. Alors. Au vu de ce qui s'est passé, on va analyser qu'est-ce que ça peut être. Parce que je vais gagner du temps. Quitte à faire. J'ai des magnifiques photos. Il m'en reste une. Il m'en reste une. J'ai des magnifiques photos, ça va me faire plein de fric. Du coup. Bon là, genre tu sens que ça fait genre quasiment 20 minutes que je suis dessus et que là elle est énervée. Mais calme, hein. Genre elle était pas trop énervée. Bon, du coup. Bon, je vais dire le MF sûrement pas. Hein. Bon, j'ai eu un événement paranormal, j'ai eu un machin. En vrai, il faudrait juste que je trouve qui c'est. Hein. Bon alors, analysons. Tiens, fais voir les photos. Fantôme, ah, c'est marqué, interaction, d'accord, bon, bah, tu le dis. Fantôme, interaction, oui. Alors. Bon. Je me dis, là, ouais, non, je me dis rien. Bon, j'en sais rien, pour l'instant, en fait, pour l'instant, j'ai eu aucun indice, en vrai, c'est, je l'ai vu, mais je sais rien. Qu'est-ce que ce serait comme fantôme? Attends, il y en a pas un là?
Et Loni, mais Loni, bon. Loni, je sais pas. Est-ce que c'était ça, être plus actif rendra l'ONI plus facile? Est-ce que ça pourrait être ça? Ouais, mais du coup, j'ai pas eu. En fait, je vais dire tout ce qui est pas EMF, je. Donc. Yurei, ouais. Kirono, j'ai vraiment dans le but de vengeance, ouais. Le démon, bon, le. Mais le démon, il attaque. Le démon, il attaque, donc j'y crois pas. L'ombre. Tu as un fantôme timide. Il est prouvé qu'une ombre arrêtera toute activité paranormale s'il y a plusieurs personnes en activité. Et je me dis justement, là, elle était vachement active alors que j'étais tout seul. Ah oui, non, mais IMF. Oh, fuck. Ce qui la rend plus puissante dans l'obscurité. Alors, est-ce que du coup, ce serait pas un cauchemar parce que je l'ai allumée avec ma lampe tout du long, sans paniquer, et du coup, elle s'est pas énervée. Ouais, je vais partir sur ça. Donc, je vais chercher la Spirit Box et. Oula, je vais déjà prendre la Spirit Box. J'ai pas eu l'impression de voir de vapeur autour de ma bouche quand elle a attaqué. Je sais pas, non, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. Bon, je vais prendre la Spirit Box. Aucun signe de froid. Bon, je vais quand même prendre la Spirit Box au cas où. On va tester la Spirit Box, hein. On va tester. Je garde ma dernière photo au cas où, hein, parce que ça peut me faire du fric. Eh, gagné. On y gagne. Bon, du coup, bon, on sait où c'est. Non, en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne la caméra. Non, je vais prendre. Je vais arrêter les photos, parce que les photos. Non, en vrai, la photo, ça se trouve, m'a sauvé la vie. En fait, je me dis non. Autant que je pose une cam et que je revienne chercher un autre truc après, comme ça me laisse le temps de veiller à ce que. Est-ce qu'elle est présente ou non. Bon, par contre. Waouh, le sprint. C'est là où tu te dis, en prenant des niveaux, tu devrais pouvoir sprinter plus. Ouais, non. Genre, ah, c'est bon, t'as des bonnes jambes maintenant, ou t'as l'habitude, tu te fais moins dans ton froc, du coup tu peux courir vraiment. Ou tu peux faire une vraie course. Faites en bas, je suis encore. Ah ouais, non, là clairement. C'est où c'est con que tu vois pas l'écran? Je trouve ça complètement débile, genre, bah non, tu vois pas l'écran. Et t'as fermé la porte derrière moi, saloperie! Bon. Ah, non, c'est moi qui avais éteint la lumière. Je vais la mettre dans le couloir là-haut, au cas où. Comme ça, si jamais elle est pas loin, je la vois plus facilement. Et si jamais c'est bien l'ombre, ou je sais pas quoi, du coup, elle va se calmer. Tout de suite, dès que j'arrive dans le couloir. Ah, bon, d'accord, il n'y a plus de courant. Bon, bah, d'accord. Elle est super active, hein. Bonjour. Alors, excusez-moi, je pose ça là, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je reviens dans 2 minutes. No, not to worry. Not to worry. Not to worry. Aime le couloir, ouais. Un cauchemar. Putain, merde, ton cœur a lâché. Ah, mais moi, je suis tellement au calme. C'est tellement drôle. Faudrait que je vois où est le compteur. Alors, je me rappelle qu'il y avait un compteur, mais c'était pas sous cet escalier, c'était sous un autre. Et c'est super loin. C'est tellement loin. Il n'y en a pas un là quand même que genre j'ai pas vu. Non. Oh. En vrai, je peux aller par là parce que ça ne change rien. Ah, je vais me tordre une cheville là. Hein. Ouh. Alors normalement dans l'école, ils sont plus, je pense qu'ils sont plus à poursuivre le cul parce que bah en gros, il y a plus de terrain et qu'il faut qu'ils fassent du terrain. Faut qu'ils te poursuivent un peu quoi. Je suis plus tendu que toi qui joues. Mais moi, je suis d'une sérénité absolue. Bon, déjà, on va checker la cam. Déjà, checker la cam. Alors, du coup, pour l'instant, rien de probant. Bon, je pense pas que ça va être une orbe, hein, Je me dis là, possiblement, le bouquin, les empreintes et la Spirit Box. Et du coup, ça me fait quoi si c'est empreinte, bouquin, Spirit Box? Alors, Spirit Box. Attends, j'ai dit Spirit Box, empreinte, bouquin. Spirit Box, empreinte, bouquin. Et ben, ce serait un esprit si c'est ça. Donc, j'ai rien à découvrir. Donc, je me dis, moi, je tenterais bien ces trucs.
Bon, là, l'appareil photo, je pense que je vais devoir le bazarder. Hein. Donc, je vais aller chercher la spirit box. Et le bouquin. Bonjour. Pas de. Non. Pas de boule, boule. Pas de boulette. Je suis vraiment dans l'angle de à peu près où elle était. Ouais, non, là. Ah, c'est calme. Ah, oui, non. Elle est censée m'entendre de loin. Tiens, on va jouer sur le fait que le jeu est censé t'entendre et tout. Carole Moore. En bouquin, il veut. Oui, si tu veux. Allez. Carole Moore. Que s'il est censé m'entendre, peu importe la distance, du coup, elle devrait se manifester au bout d'un moment. Bon, apparemment non. Bon, du coup, la lampe UV, et on a dit le bouquin. Allez, du coup, lampe UV, on va l'utiliser tout le temps. Hop, c'est pas ça, ça, voilà. Allez, on y va. La chance, c'est que je pense que les empreintes, elles peuvent être n'importe où. C'est pas tellement dans le lieu où elles entrent. Il y a des chances que ce soit là-bas, mais je pense que c'est aussi ailleurs. Comme ça, tu poses le bouquin, tu checkes les empreintes, tu fais le retour pour récupérer la box et l'appareil photo. Ouais. Bon, bon, bon. Voilà, voilà. La, 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 la. Non, je m'étais dit que j'allumerais le courant, si c'est possible. Histoire de... Bon, je sprint. Croyez-moi, hein. Le sprint vers le... vers le truc. Je pense que... Moi, je dirais un esprit. Hein, franchement, je sais pas pourquoi je me dis un esprit. Il n'y a pas de porte ici. Regarde un peu les portes. Tiens, je vais monter et checker les portes là-haut s'il n'y a pas une petite empreinte qui traîne. Ah, j'optimise hein, au maximum mes recherches. Hein. T'es en UV là? Oui, regarde, si j'éteins la lampe, hop. Et l'UV, du coup, je le vois en même temps. Ça fait le doublon. Et ça marche bien. Ça marche pas mal en général. J'arrive quand même à bien voir l'UV et à faire le truc. Ça se voit à peine, ouais, non, mais c'est normal. Bah, l'UV sert à pas, l'UV sert pas à voir en vrai, hein, donc. Faut se dire que ce sera un résultat de merde. Bien, bien, bien. Du coup, on va allumer la lumière dans le couloir cette fois. Bah, c'est déjà allumé. Mais t'es con. T'es con, t'es con. Bon. On va préparer le bouquin. Hop. Alors. Hop. Merci. Carole Moore, pouvez-vous écrire dans votre cahier de liaison, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, merde, j'ai pas remis l'UV. UV, pardon. Voilà, merci. Bon, pour l'instant, empreinte, c'est pas très très, hein. C'est pas très très ça. Je sais pas s'il y a pas des objets qui volent à côté de moi. Bon, empreinte. Empreinte, j'y vois pas beaucoup de possibilités là. Ça qui est chiant, c'est que ça peut être n'importe où, ça se trouve. Donc, trouver l'empreinte va être coton. Je cherche un peu par là en passant. Hein. Je cherche un peu par là, mais bon. Ça n'a pas l'air très très. Bon, et bah je dirais empreinte, c'est mort. Du coup, c'était peut-être IEM et je l'ai mal fait, hein, c'est possible. L'UEM, il fallait vraiment qu'elle soit là. Là, elle avait juste fait des événements et du coup, ça faisait un UEM à 3. Et que quand elle était là, ça se trouve, j'avais un UEM à 5. Mais comme je voulais faire les photos, EMF, oui, UEM, je sais pas pourquoi. IEM, c'est autre chose. T'es un con. Bon, je vais lâcher la l'UV. Je vais prendre. Ah, est-ce que je check les températures? Je l'ai pas fait. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas, du coup, bah ça sert à rien. Bon, du coup, bah ça. Allez, attends, regarde un peu. Voir.
Pitbull Luminous? C'est chiant, on voit pas le bouquin, j'avais espéré pouvoir le voir, mais il aurait fallu que je le pose par terre. Non? Yem, c'est le brouillard, oui, je sais, mais je sais pas pourquoi. Ma santé mentale est à 50, ça va encore, je suis quand même pas mal, tout seul. Ça fait juste 3 heures que j'y suis, mais... Bon. Bon. Pas génial. Bon, bah du coup, Spirit Box et UM. Hein. Je vais plutôt faire la Spirit Box. Bon, c'est parti. Allez. Ça va être tellement long. La Spirit Box. Carole Moore, pouvez-vous parler dans ma Spirit Box? Ça peut box ses livres peut-être. Spirit Box, s'il vous plaît, Carole Moore. Ah si, j'ai pas entendu parler. Ah si, il reste encore la lumière. Non, ça éteint. C'était décroché, ça? J'ai pas l'impression. Après, si, c'était pété parce qu'il y avait pas la lumière. Alors. Pouvez-vous me parler, Carole Moore? Peut-être changer d'endroit. Hein. C'est dans la pièce à côté. Pouvez-vous me répondre, Carole Moore? Les fantômes dissidents, je suis assez d'accord. Ah, merci. Oh, ça chasse. Salut! Connasse. Non, c'est pas un IMF à 10. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, moi aussi, oui. On se téléphone, hein, tranquillement. Donc non, IMF A5, c'était pas ça. En tout cas, on a Spirit Box, ça c'est une certitude. Bon, Spirit Box, validé. Oui, je suis d'un calme olympien. Je n'ai eu qu'un pseudo petit frisson quand même. Hein. Ah, non, c'est encore bloqué. J'ai pas le droit. Bon, d'accord. Bon, bah je rentre. Bon, c'est chiant parce que... Bon, allez, je pense en fait, elle doit être dans le grand couloir. Elle doit être dans le couloir ou pas loin, quoi. Parce que, bon, elle est arrivée dans la pièce. Donc... bon, Spirit Box, au moins, c'est une certitude. Ah... Et je pense pas que j'ai vu l'IMF à 5, j'ai dû le voir à 4, mais max, hein. 4 au max, hein. Merci. Bon, du coup. Ouais, donc du coup, c'est pas l'IMF, hein. Sinon, elle était devant moi, le machin, il aurait dû péter à 5, hein, genre. Ça aurait été évident, hein. Enfin, en mode attaque, non, le machin. Bon, du coup. Du coup, à Spirit Box, on a dit, c'était bon. Ouais, à moins que je vois apparaître une orbe d'un coup, donc bah pour l'instant j'ai que Spirit Box, hein. C'est... Ouais, parce que j'ai pas l'IMF, on a dit non, donc là ça a quand même caméra, ouais, je sais. Empreinte, j'en ai pas vu, après j'ai pas cherché la porte qui était au fond du coup, orbe. Pour l'instant, ouais, bon bah... Du coup, non. Température, j'ai pas eu l'impression d'avoir de vapeur. Donc, ouais, bah on va tenter de bouger le bouquin et l'appareil photo. Je prends mon pas l'appareil photo et le machin. Hein. Après, attends, il y a une cam normalement.
dans un des couloirs. Je sais pas lequel. Bon, c'est pas là, parce que ça c'est le rez-de-chaussée. C'est la salle de sport. Mais en tout cas, elle réagit bien à son nom, hein, c'est bien. Ah, ça c'est en dessous. Là, je veux au-dessus, moi. Bah là, du coup, ici. Et ici. Est-ce qu'il n'y a pas une orbe qui traîne? Au cas où. Me dit, hein, on sait jamais, hein. Si ça se trouve, je peux arriver à la voir, hein. Mais voilà, maintenant t'as compris, ne pas paniquer est aussi un moyen de survivre. Genre, le fantôme, il allait juste quasiment aussi vite que moi, peut-être légèrement plus qu'il gruge un petit peu sur certaines distances, certains virages, mais voilà, tranquille. Bon, du coup, bah, bouquin et machin. Du coup, je prends l'appareil photo. Non, je vais prendre la lampe. La lampe UV, je la récupère. Je la récup parce que je sais pas, en haut, là, près, peut-être près de là où j'étais, je vais peut-être retrouver une trace dans la salle du fond, parce que je l'avais pas examiné, je pense, avec la lampe. Je l'avais pas examiné avec la lampe, et du coup, c'est un peu compliqué de savoir, ça se trouve, il y avait une trace là-bas, quoi. C'est ça le problème, c'est que je me dis les traces, genre, mais devrait y en avoir 15, genre, il n'y en a pas qu'une. Après, je crois que théoriquement... Ah non, maintenant, c'est genre fermé. Ah ouais, c'est genre... ok. Après, est-ce que je me dis, quand t'entends une porte claquer, est-ce que c'est pas censé vouloir dire ou s'ouvrir? Ah, attends, j'ai pas regardé à l'intérieur de la porte parce qu'elle l'avait ouverte quand elle était dans la salle, la première salle où j'ai fouillé, vraiment. Là où on l'a vu la première fois, elle a ouvert la porte. Du coup, si elle ouvre, elle est dans l'autre sens, la marque. Moi, je les regarde dehors, mais ça se trouve, fallait que je la regarde de l'intérieur. Oh. Peut-être que... Hein. Parce que je pense que les empreintes, c'est quand ils interagissent avec quelque chose. Il doit y avoir une trace de base. Allumée ou pas? De toute façon, pour ce que je m'en fiche. Bien vu, chère Lacrette, t'as vu, hein. Même les fantômes suivent des logiques. Il a refait de sonner le téléphone. C'est mignon. Ah là là. Mais bon, après aussi, il y a... Aussi, moi, je joue de ma capacité à connaître mon environnement, à... Ah bah tiens, déjà. T'es déjà en train de me poursuivre le cul. Je vois pas, hein, pour l'instant. Oui. Oui. Tout à fait. J'aimerais bien soit que ça s'arrête ou soit te voir. Parce que pour l'instant, bah, j'ai pas plus de retour sur t'es là ou t'es pas là. Ok, elle clignote ta torche, c'est qu'elle m'attaque. Quand ça clignote, c'est que t'es chassé. En gros, c'est à ton cul, hein. Genre, le fantôme, il te... il veut te ken. Ouais, j'ai toujours la lampe UV. Ah, mais en même temps, je pense que maintenant, elle est ultra active. Du coup, c'est peut-être un démon. Les démons, ils chassent mes dardards, quoi. Genre, tu vois, j'ai à peine approché de la zone, c'était genre, ouais... Bon, du coup, je vais aller voir la porte, la salle au fond, déjà. Déjà ? Mais je peux pas m'approcher. Arrête. Stop. Mais stop. Pas drôle. J'en ai marre de devoir faire de la marche arrière, là. Voilà, voilà. De faire ça 3, 4... Si là, ça le refait au moins 2-3 fois encore, là, j'en ai marre, je rentre. Hein. Je vais aller mettre démon, et puis c'est tout. Hein. Je vais mettre démon et tous les indices, et voir si ça corde déjà avec au moins la Spirit Box. Et ce qu'on suppose peut-être avoir. Ah, parce que là, genre, t'es gentil, et tu me fais chier. En tout cas, je sais, par exemple, que c'est pas Loni, ou je sais plus lequel, qui, quand il n'y a pas de lumière, il est hyper vénère, et il court super vite. Alors c'est pas lui, quoi. Genre, tous les fantômes qui courent vite ou qui ont des trucs spéciaux, non. Là, elle me courait dessus et c'était tout. Genre, il n'y avait pas de...
Il n'y avait pas d'autre chose. Bon. Peut-être me faire piéger. Ah tiens, bam. Allez, empreinte. Ça c'est fait. Non, lumière, merci. Du coup, on va choper le bouquin. Hein. Bonjour. S'il te plaît, me prends pas dans la porte. Ce serait dégueulasse de ta part. Ça c'est la lampe, ça c'est du coup le bouquin. Ah, salut. Tu peux écrire, s'il te plaît? Can you write on the bouquin? Please. Non? Soit orbe, soit froid. Ouais. Bon, j'ai pas eu l'impression de voir de vapeur, donc... Carol Moore, write on the book. Oui, tout à fait. Bon, je vais poser la cam. Limite, je vais essayer de la poser pour voir... Ah. Ah, le bouquin, parfait. Tiens, je le ramasse carrément. Hop là, et c'est un démon, hein. Vu les écritures, c'est un démon. Donc voilà, parfait, on a tout. On a tout, quand elle te chasse plus, J au pire, j'ai pas compris. Ah mais c'est un démon là, t'as vu l'écriture sur le bouquin? Alors attends, on a quand même un brimstone de dessiné, voilà. Hein. Je pense que ça, tu vois, c'est des espèces de sous-indices où bah, si t'analyses bien le truc, tu te dis box, livre, empreinte, voilà. Moi je dis c'est un démon. Sans trop de recherche, je dis c'est un démon. Ah et ben j'ai réussi. Et je suis pas mort. Tranquille. Ça m'a poursuivi, ça m'a embêté, mais... Alors, du coup... Genre c'était écrit die. Oui mais là c'est spécifique, tu vois, genre je me dis c'est une écriture qui te donne un indice spécifique. Alors, du coup, on a dit écriture et j'ai oublié, empreinte. Et attention. Ah non, c'est un esprit. Bon, bah en fait, ma première réflexion de base qui était, tiens, je verrais bien que c'est un esprit parce que, voilà, je vois bien la spirit box et machin. Bah ouais, tu vois, hein. Donc on est d'accord, ouais. Box, livre, empreinte, ouais. Bon, bah ouais, hein. C'est une affaire rondement mené, je ne peux pas faire les objectifs, donc balèque. Allez! Et voilà! Et voilà! Tu vas voir le fric que je vais me faire, ça va être vénère! Donc non, hein, l'écriture en fait ça n'a rien à voir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des sous-indices, des indices cachés, tu sais, des trucs que bah, si t'analyses, tu te dis, ouais. Oh, c'est un esprit! Incroyable! Et du coup, oui, comme j'ai fait un truc de niveau 3, pour 3 personnes tout seul, j'ai 30 dollars. Enfin, après, c'est pas... Genre, quand t'es 3, t'as 30 dollars, quoi qu'il arrive, parce que c'est la difficulté qui te récompense, mais... Voilà. Une belle photo de fantôme. Voilà. Tranquille. Et du coup, j'ai survécu à une phase de chasse, et j'ai joué une carte moyenne. Il me resterait juste 80 os. Bon, bah voilà. Honnêtement, là, bon, ça fait quoi, 1h3 que j'y joue bon... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Parce que, bon, tout seul, c'est marrant sans être... d'accord. De toute façon, j'étais connecté à rien, calme-toi. Bon, après, là, je veux dire, bon, c'est pour m'amuser, hein, que je le fais un peu pour voir si c'est possible et tout. Et apparemment, bah, tu vois, hein, faire une grande map, y a moyen. Mais en fait, je pense que, du coup, je suis trop bon pour le jeu pour l'instant. Parce que, du coup, je peux pas stresser. Je stresse pas du tout du jeu. Et du coup, comme ça se voit, parce que je maîtrise à peu près mon jeu, et du coup, bah, je suis pas dans la merde. Il y a que quand, du coup, on a eu vraiment un problème et qu'on a rien compris ce qui s'est passé, ouais, là, du coup, je suis mort aussi. Mais... Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout l'inverse de toi, ouais, ça. Ouais, mais toi, tu connaissais pas le jeu. Moi, j'avais déjà regardé plusieurs personnes y jouer, tout ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, t'as plus le logo du Prime, toi? Ah oui, tu peux avoir que 3 logos d'un coup. bon, ouais, non, mais là, je me suis bien amusé dessus, hein, voilà.